On est le 19 décembre et je découvre en même temps que toi mes exemplaires papier, mes exemplaires auteurs donc, de La Belle au Lys, ma dernière novella parue aux éditions du Petit Caveau. Et celle dont je t'ai rabâché les oreilles sous le titre Le Portrait sans, qui finalement a changé au profit de La Belle au Lys. Donc 5 exemplaires. Un pour moi, évidemment. 3 pour la famille. Et un dernier pour ma bêta lectrice arc-en-ciel, que je salue parce que je pense qu'elle regardera cette vidéo. Alors, coucou. Voilà. Alors, évidemment, j'ai déjà vu la maquette de ce qui allait donner l'intérieur de ce livre. Forcément, hein, j'ai eu un bon à tirer de toute façon. Donc, j'ai dû tout relire, etc. C'est là qu'on me dit qu'il y a plein de coquilles. Alors, là, franchement, c'est qu'on a mal fait le job. Merde, quoi. Je note que par rapport à Noce d'éternité, la quatrième de couverture est plus aérée. Il n'y a pas la petite biographie au milieu. Il n'y a pas l'espèce de mise en page un peu bizarre. Pour celles et ceux qui veulent se la procurer, c'est 11,90 € donc sur le site des éditions du Petit Caveau et dans toutes vos crèmeries habituelles en e-book. Et en papier, en e-book, c'est 2,99 €, si je ne dis pas de bêtises. Si jamais je dis des bêtises, je corrigerai au montage. Et pour le papier, c'est 11,90 €. Donc c'est une novella un peu plus épaisse que Noce d'éternité. Il y a un peu plus de matière. Voilà. La mise en page est... Et oups là, oh là là. Et ouais, l'écriture est moins étirée, moins grosse aussi. C'est un peu plus classique dans la police en fait, mais ça reste très lisible. Hein, et pourtant, je suis difficile pour les mises en page de papier, de livres papier. Pardon, en plus, j'oublie des mots. Bah, on est le soir, j'ai une bonne excuse. Je suis réveillée depuis 2h30 ce matin. Voilà. Donc c'est un. Je vais plutôt faire dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un livre papier, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai déjà eu un premier avis très positif suite à un service presse. Voilà. Qui m'a valu une note de 17 sur 20. Alors, je ne suis pas très note pour les lectures parce que bah, on n'est plus à l'école, ça fait très scolaire. Mais bon, je ne vais pas cacher mon plaisir d'avoir eu cette note. Et surtout, toutes les catégories. La chroniqueuse avait quatre catégories. Il y avait les personnages, il y avait le style, il y avait l'intrigue, je crois, ou l'écriture, enfin... au pire, je mettrai le lien en barre d'infos et puis comme ça, si tu veux aller voir, tu pourras aller voir. Et il faut que je la partage aussi sur les réseaux sociaux. J'ai pas encore eu le temps, je suis un peu débordée là avant les vacances de m'asseoir. Et j'avoue que j'ai hâte. Donc, La Belle au Lys. Alors évidemment, c'est une histoire de Lys. Pour te la faire courte, c'est l'histoire d'un Lys qui saigne à la nuit tombée. Ce lys figure sur le portrait d'une femme, la Belle au Lys. Lady Orsay convoque l'inspecteur, un ancien inspecteur de Scotland Yard qu'elle a connu par le passé, par le biais de son père. Enfin, voilà, ça je te laisserai découvrir. Pour venir enquêter sur ce mystérieux lys qui saigne à la nuit tombée, sans jamais tacher le tableau, sans jamais l'abîmer. C'est-à-dire que une fois le sang épongé, il n'y a aucune trace, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. Voilà. Donc pour te le procurer,
Bon, bah, c'est en numérique et en papier, comme je te l'ai dit. Il fait... Je suis en train de tordre mon exemplaire. Il fait 135 pages. La couverture est toute veloutée. Oui, ça c'est cool. Tandis qu'elle était brillante pour Noces d'éternité. Voilà, et là, franchement, je trouve que ça lui va bien au teint. Ça rend vraiment service à la couverture qui est très belle. La couverture signée Florine Rétoré, donc du monde de Florine, qui m'avait déjà fait la couverture, qui m'avait signé la couverture de Cœur Sommeil, ma romance gothique parue en auto-édition l'année dernière. Voilà. Bonne lecture si tu as l'intention de le procurer.